Goldman, 40 ans de chansons, les internautes flinguent l'émission. Le 26 janvier dernier, TF1 consacrait sa soirée à Jean-Jacques Goldman dans Goldman. 40 ans de chansons. De nombreux artistes ont repris ces chansons, et il semblerait que cela n'ait pas du tout plu aux internautes. Le 26 janvier dernier, de nombreux artistes se sont retrouvés sur scène à l'occasion d'une soirée consacrée à Jean-Jacques Goldman diffusée sur TF1 RP Goldman. 40 ans de chansons. Les chanteurs et chanteuses présents ont repris, toute la soirée, les chansons incontournables de Jean-Jacques Goldman, qui n'est pas mort rassurez-vous, et il semblerait que cela n'ait pas vraiment plu aux internautes. Nombreux n'ont pas hésité à tacler les artistes qui ont repris les chansons, ou tout simplement le concept de l'émission, « Je n'ai qu'une question, pourquoi, oui, pourquoi ce panneau, It's United, bien, point d'interrogation. » Un peu de respect pour les chansons, quand même. Goldman 40 ans de chansons, TF1 sont trop forts quand même, ils rendent hommage à Goldman sans lui MDRR Goldman 40 ans de chansons, Agnaga 09. Le meilleur hommage qu'on pourrait rendre à Goldman, c'est de laisser ses chansons tranquilles. Merci. Goldman 40 ans de chansons, être surpris que l'émission Goldman 40 ans de chansons, soit une top promo d'artiste de TF1, sur le dos d'un vrai artiste, c'est ça le plus surprenant en fait. Ambiance.